va encore voyager, on va voyager encore là cette fois-ci. Je vais vous faire partir dans l'espace, carrément, avec des petits sons un petit peu intersidéraux. Et ça va commencer avec les. Avec les JBL. Avec les T5000, s'il vous plaît, c'est parti, on envoie. Appréciez bien. Senti, mais là cette musique là elle est émotionnelle de fou. Et là tu as vu le mélange en fait avec le côté un peu intersidéral avec la gratte derrière, mais c'est juste monstrueux, voilà. Et d'ailleurs tu vois sur YouTube en fait, si je mets des vidéos avec des musiques qui sont pas connues, comme ça au moins je suis pas restreint, et puis en même temps bah moi ça me permet de vous faire un peu découvrir des nouveaux genres, des nouvelles musiques aussi, parce que c'est vrai que je connais énormément de musiques différentes en fait. Je me cantonne pas à écouter des musiques qu'on entend partout en fait. Et du coup voilà, c'est ce qui fait un peu aussi la différenciation du fait quand j'écoute les musiques sur mes enceintes. Voilà les amis, donc bah, je crois que le duel des JBL va bientôt être terminé. Je vais vous passer une ou deux musiques de jazz et je pense qu'après ce sera fini. Mais en tout cas le duel était, enfin j'ai vraiment kiffé faire ces vidéos. Pourquoi? Parce que déjà ça me permet de pour moi de choisir entre les deux et en même temps voilà de les départager, mais bien entendu c'est à mon goût. Voilà. Donc moi dans tous les cas c'est celle-là que je préfère. Ça, c'est mes préférés. Mais voilà, les autres elles sont bien aussi. Voilà. Mais après c'est comme je dis, c'est une histoire de goût personnel. Hein, vraiment. Voilà, c'est une histoire de goût. De toute façon, la hi-fi, c'est toujours comme ça. On aime, on n'aime pas, et on ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. C'est une philosophie, hein, c'est une philosophie.